Salut. Salut. Vérifie juste la suspension. Faut que le système hydraulique soit au top. Ça risque de secouer un max. Bien dormi? Ça peut aller. Et toi? Assez reposé? Je crois que t'as fait des cauchemars. T'as crié plusieurs fois. Ah bon? T'inquiète, j'ai l'habitude. Quand Mitch et Scorpion sont revenus de la guerre, ils passaient leur nuit à bouger dans tous les sens. Ça a duré des mois. Quoi que ce soit, ça passera. Ouais, espérons. Alors, t'as trouvé un plan concernant Hellman? Eh ben, figure-toi que oui. Regarde ça. Vas-y, je t'écoute. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la navie. Et le tournevis, c'est l'endroit où la navie devrait planter son nez dans le sol. Là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navie. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là. Ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Attends, on reprend tout. La clé à molette, c'est notre caisse, c'est ça? Mm-hmm. Le cutter, c'est la navie. Le tournevis, l'endroit où la navie doit se planter. Et les pinces, la centrale EOS. En gros, le filet qui va nous servir à choper la navie. Pourquoi tu veux qu'on la batte là, et pas ailleurs? Parce qu'une fois qu'elle sera au sol, faudra la localiser et choper ta cible, sans perdre une seconde. Et à cet endroit, c'est un vrai désert californien. C'est plat, c'est sec, c'est paumé, on pourra pas les rater. Une centrale EOS? Ouais. Va falloir s'y introduire. Ok. Pas de soucis jusque-là. Et après? Après, on frappe. On balance une IEM à la navie. Ouais, évidemment. Dès que la navie sera à portée, on créera une impulsion électromagnétique. L'électronique embarquée devrait griller direct. Ça veut dire quoi? Ça arrêtera les moteurs? Ça coupera tout, y compris les moteurs. La transmission, la navigation, les systèmes de com. J'ai besoin d'Hellman vivant, oublie pas. Le but, c'est pas de pulvériser la navie, ok? Je sais. Mais il a intérêt à accrocher sa ceinture. J'ai une idée. Si ça marche, l'atterrissage va être brutal. Parfait. On y va. Super. Monte, s'appelle. La centrale, ça à l'État ou à une corpo? Qu'est-ce que ça change? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. V, regarde autour de toi. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. T'aimes bien faire chier les corpos, hein? Où t'es allé pêcher cette idée? Non, attends. Je reformule. Rogue, Nash, les Raffen... Et fais gaffe à ce que tu dis. T'aimes faire chier tout le monde, en fait. C'est une chance que je sois de ton côté, alors, tu crois pas? Ah, je confirme. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'es transporté? Putain, t'es de la police ou quoi? Allez, réponds. Le directeur financier adjoint Caucase. Ça s'appelle faire le chauffeur. Il a voyagé dans le coffre. Mort. Mort? C'est une longue histoire. Je te la raconterai peut-être un jour. On est presque au barrage. On va faire un petit arrêt ici. On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. Branche-toi là. Est-ce qu'on doit vraiment se faire chier avec ça? Oui, on doit. Sauf si t'as déjà utilisé une arme de ce genre sans aide, en mouvement, sous les tirs de l'ennemi, et que t'arrivais quand même à toucher tes cibles. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Alors connecte-toi, au lieu de discuter. Je me connecte comment? Avec ma liaison perso? Tu vois un autre moyen?
Fais gaffe au Jack. Faut le secouer un peu, des fois. Voilà, c'est fait. Une seconde, on va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Je vais arranger ça. Et maintenant, Panam, voilà Johnny, en plein dans le trou du cul du monde. Ah, bien joué, V. Je crois que t'as un virus dans ton implant. Celui dans ta nuque. J'ai un bioprocesseur dans le crâne. Il agit indépendamment de moi. Ça doit être pour ça qu'il apparaît dans ton diagnostic. Ok. Il n'enverra aucune donnée par ma liaison perso. T'en fais pas pour ta caisse. Ok, j'espère que tu vas rien bousiller. Allez, il n'y a plus qu'à. Tu vois ce tas de merde? Tire une courte rafale dessus. Je vais m'occuper du calibrage. Bien. Cible suivante, une seule balle. Ok, recommence. Une rafale plus longue. Parfait. Je crois que c'est bon. Bon, pas trop mal, qu'est-ce que t'en dis? Je me demande ce que ça donnera sur des cibles mobiles. La mitrailleuse est calibrée. T'auras une assistance système. Fais juste gaffe au recul. Il a tendance à déséquilibrer un peu. Alors elle est où, cette centrale? Attends un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. On aura une bonne vue de là-bas. Je veux juste m'assurer que la zone est dégagée. Saboter une centrale corpo. Attaquer une navette corpo. Enlever un enfoiré de corpo. T'aimes le son du mot corpo? Ou t'essaies de me dire un truc? Tu sais quoi? Tu commences à me rappeler quelqu'un. Moi, il y a 50 piges. Sans mon charisme, évidemment. Et ma troisième jambe. On pourrait bien s'entendre, finalement. Possible, t'as peut-être pas tort. Ce qu'on a vécu, ça a sans doute des répercussions. Tu me ressembles plus que tu crois. Tu verras. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que c'est toi qui me ressemble. Non, tu rêves. Ça a l'air bon. La zone est déserte. Je vois aucune patrouille. Le truc énorme, c'est l'unité de récupération. Et tu vois ces antennes? Chacune reçoit des micro-ondes des satellites en orbite, qui sont ensuite convertis en courant électrique. La centrale, elle fournit toute la ville? Franchement, j'en ai aucune idée. Je crois qu'on va vite le savoir. Mais il y en a tout le long de l'autoroute de ces antennes. Ouais, et c'est là que c'est malin. Elles sont reliées. Suffit qu'on plombe l'unité de récupération. Ça créera une réaction en chaîne et les antennes balanceront toute une IEM. La navie va foncer comme une mouche dans une toile d'araignée. On n'aura qu'à déclencher l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Une fois à la centrale, je ferai une dérivation pour le détonateur. T'auras qu'à surcharger le système. Panam, on pourrait pas simplement faire sauter la centrale? Je préférerais. Mais une explosion déclencherait un protocole automatique d'arrêt dans chaque récupérateur. On se ferait repérer par Two Night City avant de contourner le protocole. L'idée est bonne, mais pas cette fois. Surcharger le système? Pas de souci. Je commence quand? Enfin, c'est pas trop compliqué, j'espère. Normalement, non. Suffit de pousser tous les réglages à fond. Tout au max et au-delà. Ok, pigé. Bon, et maintenant? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de vol de la nef. Ok. Ok, on peut y aller. T'as déjà tenté un coup de ce genre? Abattre une navie? À moi seule? Non. Pourquoi tu demandes ça? On dirait que Rogue a raison. Fée. Elle dit que t'es douée. Et elle a raison. Bah ouais. Ça se pourrait bien. Mais on n'a pas encore eu la navie. Alors évite de t'emballer.
avec ta copine Rogue. Tu sais quoi? Je crois que je t'ai démasqué. Ah ouais, tu crois? Tu préfères quoi? Réussir cette mission ou prouver à Rogue qu'elle avait tort? Je t'emmerde. Je ferai les deux. Bon, on y sera bientôt. Bon, je résume. On entre, on bousille le système et on dégage vite fait. Accroche-toi, ça risque de secouer un peu. Tiens-toi prête. Ok, je suis prête. Des drones! C'est bon, je m'en occupe. Dépêche! Avant qu'ils nous touchent! Bien, ça y est. Et c'est tout? Ouais. Si on se grouille. Trouve les commandes. Je connecte le détonateur. Grouille V! Elle est un peu fort, madame. Tu vas survivre. T'as vu ça? Toutes ces lumières qui clignotent. Un vrai sapin de Noël. Tu voulais que j'y aille à fond? T'es servi. Ah, ouais. Bon, allez, on se tire avant d'en faire les frais aussi. V, tire-toi de là avant que la puce soit endommagée. Merci pour le conseil. Moi qui pensais m'installer pour pique-niquer et travailler mon bronzage... Je suis sérieux, fais gaffe. La prochaine pourrait... Johnny? Johnny? Putain de merde. Ça va, c'est bon, ça va. Mais fous le camp de là. Bon, il y aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur, alors? Il fonctionne? C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. On va s'installer sur cette falaise. On devra avoir une bonne vue sur les antennes. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Ok. J'ai toujours rêvé d'appuyer sur le gros bouton rouge d'un machin comme ça. Quand est-ce qu'on se lance? T'inquiète, j'ai un œil dessus. Alors à mon signal, t'auras qu'à envoyer l'impulsion. Ils comprendront pas ce qui leur arrive. Ah, et au fait... Quoi? On s'apprête à cracher un appareil de Kang Tao qui vaut plusieurs millions d'édits. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Bousiller des trucs, c'est pile ce que m'a conseillé le doc. Et c'est pile ce que je voulais entendre. Hé, dis donc. Quoi? C'est calme. Le bruit de la ville, les voix des gens, les odeurs... Y a plus rien de tout ça. Et avec le vent, c'est flagrant. Je crois que j'avais oublié le bruit du silence. Pour les odeurs, je sais pas. Les coyotes, ça pue quand même. Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta sortonne. Ah ah, je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la navie. Ouvre l'œil. La voilà, elle arrive de Pacifica. Bon, tiens-toi prête. Attends, encore une seconde. Vas-y!
Boum. C'est parti. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Fais chier. Super. Dans le mille. Paname, les moteurs tournent toujours, putain. Ils se tirent. Ils iront nulle part. Ah, il faut qu'on les suive. Une petite seconde. Paname, qu'est-ce que tu fais? Et voilà le travail. Elle perd de l'altitude. C'est bon, on l'a eu cet enfoiré. On y va. On l'a eu. Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit ils se posent, soit c'est le crash. Tu vois ce que je vois? Ouais. Navi non identifié, je vais perdre l'altitude. Mitch! Place là. Scorpion! Qu'est-ce qu'il fout? Tu es au générateur. Tu es, j'arrive dans pas long. La batterie Mitch devrait être réglée. Scorpion, c'est Paname. Approchez pas de la Navi. Je répète, approchez pas de la Navi. Pas en route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Kentao! Attendez-moi! Non, mieux! Foutez le camp! Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpo. Ils m'entendent pas. L'impulsion fait des interférences, merde! J'ai 3 points sur le radar. Des drones? Ouais. Prépare-toi. Ils veulent nous ralentir. Ils peuvent toujours courir. Il faut qu'on rejoigne Mitch et Scorpion. Paname, il y a un souci. Ça tient putain pas. C'est encore enrayé. Je vais régler ça. Accroche-toi. Je mets le pilotage auto. Putain de ta mère, il s'est enrayé. Ils sont derrière nous, Paname. Je sais. Putain de loquet. Ils veulent pas s'ouvrir. Juste une seconde. Putain. Paname. Taïa, ça va. Bon, ça devrait marcher, là. Pour l'instant, en tout cas. Ça devrait faire l'affaire, alors. Je l'ai vu! Derrière cette colline! Oh, ça fait toujours un souci, moi. Oh! Merde! Paname, ça va? Temps de ricocher! Tu peux continuer? C'est bon, t'inquiète. Je vais survivre. Mais mon pote, t'es où? Hein? Eh oh, Scorpion! Continue de parler sur un canal ouvert! Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois! Non, mais sérieux, quoi! Y'a un truc qui cloche, là. T'as entendu ces tirs? Fais! Il leur est arrivé quelque chose. Viens, on va voir. Je vois l'épave, mais pas de traces de Scorpion ou de Mitch. Périmé, on dirait. Tant pis. V, connecte-toi au drone. On va scanner la zone. Il faut qu'on se repère. Ils vont pas nous repérer. J'active le masquage. Leurs scanners sont HS. Ils sont aveugles. C'est parti. Tu te connectes à la caméra? Ouais. Mais... s'ils ont eu les Aldecaldos, s'ils ont eu Mitch et Scorpion, je pourrais je pas... Je sais, je sais. Je suis connecté. J'ai le contrôle. Corpo. Ils ont installé un lanceur. Il nous explosera la tronche si on approche trop.
Et y a pas moyen de le détruire? Mitch! Il est vivant! Ils les ont capturés! Peut-être. Mais faut déjà l'atteindre. J'ai 5 Kang en patrouille. Drone de combat, système de défense activé. Ils ont sécurisé la zone. Ils attendent des renforts. Merde! V, ça se présente assez mal. Oh non, non, non! Désolé. Ton clan? Ça, c'est putain d'interférence, j'aurais pu les prévenir! Tout ça, c'est ma faute! Mais pourquoi ils suivaient la navée, putain? Quels abrutis! Écoute, on a vu Mitch. Ils ont dû choper Scorpion aussi. On va les retrouver et les sortir de là. S'ils sont encore en vie. Je suis sûr que c'est le cas. Tout va bien se passer. Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche. Bon, voilà le plan. Tu restes dans la caisse, hey, moi... pas si vite. Je viens avec toi. Il s'agit de ma famille. Madame, ça t'a peut-être échappé, mais t'es blessée. Attends dans la caisse. Je vais essayer de détruire le lanceur. Bien. Mais j'ai le fusil de Mitch. Je vais essayer de te couvrir d'ici. Bonne idée. On y va. Vos bandes d'enfoirés!
refuse de coopérer. Classification. Des suspects.
La route est dégagée. Je vais vous sauver. Reculez! Reculez! Et jetez vos armes, ou je tire! Je vous dis de jeter vos armes! Maintenant! Tu vois pas que t'es dans une sacrée merde? Si tu le tues, on te plombe dans la milliseconde qui suit! Si je te lâche! Est-ce que t'es blessé? Oh, trois fois rien. Bande d'abrutis de merde! Touché? Vas-y, bouge pas. Je vais te soigner ça. Faut y aller. On n'a pas pu se replier, Panam. Ils se sont regroupés trop vite. Ils leur octets se sont mis à pleuvoir. Je les ai tous perdus. Tous ? Scorpion ? Il est là ? Mitch ! Mitch ! Il va bien. Pas vrai ? Panam, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Non ! Non ! T'en es sûr ? Non ! Scorpion, les autres. Désolé qu'on soit pas arrivé plus tôt. C'était des gens bien. Des gens super. Ils méritaient pas de mourir ici. J'aurais dû l'arrêter. J'ai essayé. Il t'aurait pas écouté non plus. Écouter, ça a jamais été son truc. Putain, tête de mule. Oh, si vous étiez là, j'imagine que c'était pour la Navi. Mais qu'est-ce que vous lui vouliez ? Pourquoi vous vous êtes jeté sur la Navi ? Vous avez pas vu les logos ? On a vu qu'elle était endommagée, et comme on connaît le terrain, on savait où elle allait tomber. Et on n'avait aucune idée que c'était King Tao. Je me suis dit qu'ils auraient peut-être besoin d'aide. Et au pire, qu'il y aurait du bon matos à récupérer. Je me suis bien foutu le doigt dans l'œil. Tout va bien. T'as besoin de quelque chose ? Merci d'avoir sauvé mon cul, V. Désolé pour ton clan, mais... je peux pas rester ici. Je veux le type qui était dans cette Navi. Tu sais quelque chose ? T'as vu un truc ? Ouais, ils l'ont emmené avec eux. Dans nos caisses. Où ça ? Vers l'ouest. Une petite unité. L'escorte de ton passager. Ils doivent chercher un moyen d'appeler leur base. C'est vous qui leur avez balancé cet IEM, alors ? Ouais, on a voulu vous prévenir, mais... pas moyen de se connecter. S'ils ont pris vos caisses, on devrait pouvoir suivre leurs traces. Panam, écoute. Je sais que ça tombe mal, mais j'ai besoin d'Elman. Ta promesse de m'aider, ça tient toujours ? Je tiens toujours parole. Mitch, je vais retrouver ces fils de pute. Je te le promets. Allez-y, je vais appeler les autres. On va faire le ménage ici. On laisse ma caisse ici, au cas où. Fais juste gaffe avec la mitrailleuse, elle a tendance à s'enrayer. On va y aller à moto. Ça marche. King Tao a perdu le contact avec sa Navi. Ils sont sûrement à sa recherche. Dépêchez-vous ! Panam. Ouais. Tu reviendras la chercher, hein ? C'est promis. Faut y aller, avant qu'ils envoient une équipe de secours. Écoute, pour Scorpion et les autres, je sais ce que tu ressens. Vraiment. Je vais t'aider à régler tes comptes avec King Tao. Je vais les massacrer, V. Tous, jusqu'au dernier. On est dans la même galère. Et on ira jusqu'au bout. Tu sais quoi, V ? T'es réglo. Tu m'as aidé avec Nash,
Et avec Mitch, pour moi c'est clair, j'ai une dette envers toi. Ton Hellman. Je vais te le trouver. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux juste payer ta dette. Non. Les nomades aident toujours les leurs. Oh, parce que je suis une des vôtres maintenant. C'est cool. Allez, en route. J'espère qu'ils sont pas allés loin. On verra bien. Les traces de pneus commencent là. On va les suivre. Ils sont passés par là. Ok, y a plus qu'à suivre les traces. On va les défoncer! Ramenez-vous, bande d'enfoirés! Quelle chance contre nous, hein ? Elle a des motifs ! Les tiens ! Viens m'aider, V ! Joli coup, V. Bien joué. Les faire. Lumière de couverture.
avec une putain de on est mal barré. Fais qu'aggraver ton cas. Sors de là. On les a tous eus. Hein? Les autres ont dû emmener Hellman avec eux. S'ils arrivent à se regrouper. Ça, c'est fait. Alors faut qu'on se magne. Ils ont laissé quelques gars à la piste. Les autres sont partis avec Hellman. J'aurais fait pareil. Ils veulent contacter leur base. Ils ont sûrement aucune envie de traverser le désert sans report. J'espère que Mitch a contacté les Aldecaldos. Putain, l'interférence. Ils vont aller l'aider, t'en fais pas. Tu sais quoi? Quoi? C'est le résumé de ma vie. Je sors d'une merde juste pour me fourrer dans une merde encore plus grosse. Panam. Évidemment, j'en fais tout le monde avec moi. Tu sais quoi, j'en ai ras le bol, lui. Si je merde encore, t'en tireras me dérouiller le cul à coups de pompe. Mais t'as pas merdé. Promets-le-moi. Très bien, je te le promets. Ces traces mènent à une ancienne station-service après la colline. Je parie que c'est là qu'ils retiennent Hellman. Des drones, des patrouilles. Ils sont bien là. Je vois.
Ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part. Hé, tu vois ça, V? Les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le cas dans une station fermée. Ces enculés ont peut-être appelé des renforts. On va le savoir très vite. Je vais voir. Fais la descente.
Je vois des caisses de nomades. Je les reconnais. Elles sont au clan. Je suis dedans. Hellman, il est forcément là. Qui vous envoie ? Hé, du calme. Faut qu'on cause. De qui ? Yorinobu Arasaka ? Vous êtes là pour me ramener ou... Ce pauvre rat a plus personne vers qui se tourner. Il est à court d'options. Allez, ferme-lui sa putain de gueule. Pas un de tes fans, je suppose. Il a pas l'air de trop t'apprécier non plus, là. Ce sale petit enculé sait même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou... Un de tes fans, je suppose. Il a pas l'air de trop t'apprécier non plus, là. Ce sale petit enculé sait même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou d'Arasaka. Pas la peine de s'énerver. Ça a rien de personnel. Si je me rappelle bien, t'étais censé prévenir Takemura quand t'auras Hellman. Une seconde, c'est bon, je l'appelle. Oublie pas que tu tiens Hellman, et que c'est un sacré atout. Essaye d'en tirer quelque chose. Takemura m'a sauvé la vie, t'as oublié ? Parce que c'était dans son putain d'intérêt, tout ça. C'est que du business. Et c'est pas ton ami. Takemura, bonne nouvelle, j'ai Hellman. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est en vie, ouais. Mais il cause pas trop, là. Je l'emmène au Sunset Motel. Je vous y rejoins. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'arrive. Entendu. Au revoir. Vaut mieux l'emmener dans un endroit tranquille pour causer. T'as raison. On dirait que tes nouveaux Chumba sont là. C'est lui ? Aucun doute. Emmène-le dehors. Fous-le sur la moto.
bouge pas de là. La cavalerie est là. Mitch a rassemblé quelques Aldecaldos. R.A.S. Personne nous a repérés sur la route. Mais vaut mieux pas traîner dans le coin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? J'ai juste quelques questions importantes à lui poser. J'espère que ses réponses en vaudront la peine. Saul. On a terminé ici. Rien à signaler. Il paraît que c'est grâce à toi si Mitch est en vie. C'est aussi grâce à Panam. Elle aussi, elle a sauvé mon cul. J'espère qu'il en valait la peine. Saul, j'ai essayé de prévenir Scorpion, mais il... Je peux faire quelque chose, me rendre utile? Je crois que t'en as assez fait. J'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. Casse-toi. Montre que t'en as rien à foutre. C'est tout ce que tu sais faire, hein. Saul, c'est vraiment pas la faute de Panam, tu sais. Attention, je suis pas ton pote, d'accord? En plus, personne reproche rien à personne. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Panam faisait que m'aider. C'est ma faute, c'est moi qui ai fait tomber cette navie. Sans ça, Scorpion et ses gars seraient pas allés la piller. C'est la vérité. Quand on est un Aldecaldo, on est toujours responsable de soi et des siens. Les circonstances n'y changent rien. Panam devrait peut-être se demander si elle est toujours une Aldecaldo. Bordel de merde! Hé, fais pas attention à Saul. Ça lui passera. J'en ai rien à foutre de lui. Ouais, mais lui, Panam, il s'en fout pas de toi. Dès qu'il a su ce qui s'était passé, il nous a ordonné de vous suivre. Parce qu'il avait peur qu'il t'arrive quelque chose. C'était son... Écoute, c'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Saul est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille? Arrête. Tu sais bien que oui. Reviens avec nous. Ouais, je comprends. Désolée que t'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Ah, très compliquées, en fait. Mais je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi, ok? Et maintenant? Tu vas retourner à Night City? Ouais, enfin... Je crois. Faut que je me pose. Que je réfléchisse à tout ça. Saul, Mitch... Ils te traitent comme un membre de leur famille. Pourquoi tu leur donnes pas une chance? C'est pas si simple. Comme dans toutes les familles. Ils arrivent. Vous avez une minute. On dégage. Je me tire aussi. Prends soin de la moto de Scorpion. C'est la tienne maintenant. Je suis où, là? Un motel. C'est quoi, cet endroit? Au milieu de nulle part. Vous pourriez être plus précise? C'est pas important. Tu repartiras pas d'ici tout seul, de toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Je veux qu'on cause de ta petite invention. Ta biopuce pour Arasaka. D'accord. Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie? Non. Vous devez donc avoir une offre à me faire. Si votre boss paye mieux que Kang Tao, je crois qu'on peut parler. Y a personne qui m'envoie. J'ai un problème, et tu vas m'aider. Et je peux savoir quel est le rapport avec la biopuce? Ta tech essaie de me tuer. Je suis à peu près sûr que c'est pas vendu comme ça. Si vous voulez vous plaindre, il va falloir m'en dire plus. J'ai le construct de Johnny Silverhand coincé dans le crâne. Et je tiens pas à ce qu'il y reste. Le construct de Silverhand? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce? C'est compliqué. Si Arasaka me retrouve,
Je suis mort. Et vous aussi. Alors, on a tout notre temps. Et puis, ça m'intéresse. Vraiment. Je l'ai fauché à Yorinobu Arasaka. Un boulot pour une cliente. Mais elle m'a planté. Et vous vous êtes dit que le mieux à faire était de vous l'enfoncer dans le crâne? C'était pas une mauvaise idée, en fait. Le construct m'a redémarré quand je me suis pris une balle dans la tête. Le plan de Yorinobu ne pouvait qu'échouer, je le savais. Mais je ne m'attendais pas à ça. La précieuse technologie d'Arasaka a un succès fou. Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui as fabriqué ce truc, non? Alors, c'est quoi le problème? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Je sais que tu peux pas l'extraire d'un coup. Mon charcutoc m'a dit... Vous avez montré ça à un stupide doc des rues? Qui d'autre est au courant? J'avais besoin d'aide. Tu crois peut-être qu'abattre une navie de Kang Tao? C'est le premier truc qui me soit venu à l'idée? Qu'est-ce qu'il a de différent, ce prototype? Un engramme différent? Quelque chose de plus... conscient? Agressif? C'est la biopuce qui est unique. Pas l'engramme de Sivaren. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes préenregistrés. C'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Ça se fixe comment, le prix de l'immortalité? De toute façon, qui pourrait se payer une tech pareille? Personne. Cette technologie devait rester en interne. Le prototype était une commande de Saburo Arasaka. Il a supervisé personnellement tout le projet. Donc sans Yorinobu, personne n'aurait été au courant. Et sans vous, ce projet n'aurait pas été une réussite. Nous avons fait un grand pas en avant. Elle était censée fonctionner comment, cette nouvelle version? L'engramme devait éjecter les gens de leur propre corps? C'est ça que cette puce de merde est censée faire? Durant les tests, nous supposions que le corps serait... indifférent, neurologiquement, pendant l'implantation. Mort, tu veux dire? Oui. C'est pourquoi ce qui vous est arrivé est très intéressant. Oh, quel bol! Ça fait de moi un être exceptionnel. Ça veut dire que tu vas m'aider? Eh ben... il faut d'abord que je la voie. Voilà, on se connaît à peine. J'ai pas encore assez confiance en toi. Comment vous envisagiez les choses, au juste? Si vous voulez que je vous aide, je dois vous examiner. Ok. Incroyable. On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Oh, merde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Comment m'en débarrasser? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire... Ouh, oh, c'est parti pour les négociations. C'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Attends, tu disais que le projet était en phase d'essai. Alors tu peux pas savoir comment ça va se terminer? Oh, si. Je viens de voir le construct dévorer votre cerveau. Il est programmé pour envahir son nouvel environnement. Coûte que coûte. Et votre petite cervelle ne peut rien contre lui. Alors dans tous les cas, l'engramme finira par l'emporter? Oui. Et d'après ce que je sais sur Silverhand, ça semble parfaitement lui correspondre. Ah, oh, je vois que j'ai acquis une réputation légendaire chez Arasaka. Il se passe quoi dans ma tête, au juste? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Silverhand.
Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du construct sur les décisions que vous prenez? C'est bon, t'as fini? Je prends mes décisions toute seule. Johnny est qu'une voix dans ma tête. Il est peut-être pas de cet avis, mais il peut pas m'obliger à faire quoi que ce soit. J'approuve à 100%. T'es un autre complètement. Je ne dis pas que l'un de vous a le dernier mot. Mais la balance penche, doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins pour celle que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire, qui plus est. Putain, qui c'est qu'essaye de t'embrouiller le cerveau, là? Voilà pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Au moins, Johnny a jamais vendu son cul, pas comme toi. Vous le défendez? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent? Oh, que je devine, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit instant. Et ça te dirait pas? Ça pourrait être amusant. Johnny... Je plaisante. Mais fais gaffe, ce costard essaie de te retourner le cerveau. Tu sais quoi, ça suffit? T'essaies juste de gagner du temps ou quoi? J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête. Et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Tâcher? Ça me suffit pas. En fait, j'ai l'impression que tu veux m'utiliser comme ticket d'entrée chez les Chinois. Vous avez une idée de la quantité de données qu'il y a dans votre tête? Même si je ne peux pas vous aider, il faut sauver ces données. Putain. Oublie Kang Tao. T'as pas de meilleure idée? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Kang Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous? Il a intérêt. Ce couillon ne nous sert à rien, sinon. V. T'as qui, moi? Merde, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il sauvera peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. C'est mieux que rien. À condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Je n'ai pas encore décidé. Non mais t'es sérieux? Tu me connais, je suis parfois impulsif. Il est à toi. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça dans votre intérêt. V, je ne l'oublierai pas. Bon, oh, quelle chaleur. Voilà. Elman, j'ai la gorge complètement desséchée. Maintenant, passe-moi. V ne vous a même pas donné un verre d'eau. C'est inacceptable. Inhumain. Avec moi, vous allez voir la différence. Je vais vous donner des seaux entiers. Non, c'est pas la peine. Ah, c'est quoi ça? Putain! Assieds-toi, bordel! C'est quoi? C'est la biopuce? Non, je suis enceinte, connard. Ah, ouais, tu peux blaguer. Mais t'as pas l'air dans ton assiette. Putain! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Ouais, je sais. Anéantir Asaka, détruire Mikoshi, bla bla bla. Hé, hey, t'es vraiment en train de devenir comme moi? Oh, mais ça m'en bat le moyen, vu que t'es manipulateur, égoïste et cynique.
chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour chier sur quelqu'un. Tu sais, on arrive à s'entendre quand il le faut. Il serait peut-être temps que tu me fasses confiance. Je sais pas du tout ce que je fais. Mon rêve, c'était de devenir une légende vivante. Là, c'est à peine si je survis. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Ouais, peut-être. Ça t'a fait comment? Quand t'es mort? J'étais sur un petit nuage. J'avais l'impression que rien pouvait m'arriver. Jusqu'à ce que ça arrive. Et maintenant, je commence seulement à réaliser que je suis mort. Après tout ce temps, t'as mis 50 ans à imprimer. À Mikoshi, c'était comme si je dormais. J'étais pas conscient, j'avais pas la notion du temps, tu vois. Rien pour le mesurer. J'étais leur chose. Je me souviens juste du vide, du noir, du froid, de la peur. Ou je confonds avec ta mort. Mikoshi, pourquoi Arasaka l'a construit? J'aimerais être dans la tête de Saburo Arasaka pour te le dire. Ah, ah. Tu peux acheter les gens, leur laver le cerveau. Mais il n'y a qu'à Mikoshi que tu peux observer leur âme, la disséquer et la reprogrammer. Ils ont amassé une sacrée collection. Des runners ultra doués, victimes du tueur d'âme, puis enfermés. Ils doivent se servir d'eux maintenant, les contrôler. Alors c'est ça leur but. Avoir un contrôle total sur les gens. Classique. Asservir les gens a toujours été un but des corpos. Mais l'ambition de Saburo va encore plus loin. C'est l'humanité tout entière qui veut contrôler. Je comprends mieux pourquoi tu détestes cet endroit. Il devrait pas exister. Les corpos font souffrir les gens dans le monde entier. Mais ce qui se passe à Mikoshi, c'est pire. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on te prive du droit de mourir. Comme quand on met les gens sous respirateur. Mais il y a pire que ça. Le pire, c'est quand on change ton identité et que tu sais même pas que t'es devenu quelqu'un d'autre. Les corpos se sont déjà emparés du monde. Et maintenant, c'est nous qu'elles veulent. Tu réalises que ce que t'es en train de me faire, c'est ce qu'Arasaka fait à Mikoshi. Ouais, je sais. C'est pour ça que je veux arranger ça. Bon, allez, on se remet au boulot. Ok, c'est parti.